Coucou les Sildingos, les Sildingotes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a fait nos calendriers de l'Avent ou pas. On se retrouve avec plein de chutes de papier. Donc du coup, on va les utiliser pour faire des petites cartes de Noël pour envoyer à la famille ou aux copines ou aux copinettes, qui vous voulez. Voilà. Donc du coup, moi j'ai pris mes petites chutes de papier et puis une base de cartes de chez Action. Et puis on va faire la carte ensemble. Voilà, voilà. Alors je vous mets sur mon téléphone, comme d'habitude, et eh bien ma caméra est en train de travailler. Donc j'ai fait cette petite carte. Voilà. Donc chute de papier, chute de papier, chute de papier, chute de papier, chute de papier également. Et puis là, j'ai marqué un petit joyeux Noël et j'ai pris un petit sticker sur les blocs 15-15 de chez Action. Voilà. Donc, j'ai pris une base de cartes qui était déjà toute prête, qui fait 10 par 15 quand elle est pliée, bien évidemment. Comme ça. Voilà. Sinon, elle fait 20 par 15 et on fait un pli à 10 au milieu. D'accord? Ensuite, après, j'ai pris une chute de papier de 9 par 14 que je vais venir coller ici. Alors, je ne mets pas de frôlis, frelon, frôla, frôlette. Je ne mets pas de paillettes, de machin. Je fais avec les chutes qu'il me reste. Je ne vais pas chercher à prendre une autre feuille puisque c'est le but en fait. On a coupé des morceaux de papier. Donc, on ne va pas aller recouper un morceau pour faire un décor autour. Couleur brillant. Voilà. Donc, du coup, on va coller. On a aussi des chutes de dentelle, des chutes de tout ça. Donc, on va s'en servir. Même les tout petits carrés que vous avez de chute de papier, vous les gardez. On peut faire plein de choses avec. On va faire plein de choses. Hop, et puis je vais faire comme ça. Puisque j'ai du verre là, je mets du verre autour de ma carte. Et on va en mettre ici également. Voilà. Comme ça fait un deuxième matage. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, après, j'ai fait un petit carré de 4,5 par 4,5. Un petit carré de 4 que je vais mettre dessus. Et un petit carré de 3,5 que je vais coller comme ça. Voilà. Petite carte toute simple, hein, qui va utiliser nos chutes. Alors, je vais me mettre là. Hop. Je vais coller celui-là dessus. J'essaye de le centrer. Je vais coller celui-ci. Voilà. Après, je vais prendre des morceaux de papier qui font 1 cm. Faut que je recoupe parce que ma lame, elle fait des choses pas belles. 1 cm par la même largeur que celui-ci. Donc, celui-là, il va là. Voilà. Je mets celui-ci. Pour faire la boîte cadeau. Et le dernier.
je le colle ici. Pas la même largeur. Je m'en suis trompé. Tant pis, je vais la laisser comme ça. Non, il faut que j'en refasse ça. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Allez, retire-toi avant de coller. Donc, on a dit 1 cm par 1 cm par 3,6. Alors, j'ai dit, on va faire 3,7, on verra bien ce que ça fait, par 1 cm, hop, 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 je sais pas, bah dis donc, c'était en dessous ça, est-ce que ça y va, yes, allez, hop. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite après, on va prendre une petite bande. Moi, il me restait une petite bande de brillant que l'on va mettre ici. Ça va faire comme si nos paquets étaient tous attachés ensemble. Donc je coupe. Ouais, je mesure quoi. Hein. Hop. Tac, c'est fait. J'ai un petit morceau qui m'énerve là, voilà. Hop, ensuite après, on va faire des 1,5 par 3 cm. Et on va juste les coller. On va coller le bout pour faire les petites boucles de notre... Hop, en voilà une. Deux. Après, vous pouvez mettre un nœud en tissu hein, si vous voulez, mais moi c'était pour passer mes chutes. Trois. Bah, tu colles pas, toi. Et 4. Voilà, et après on va venir les coller sur notre carte. On va les laisser sécher. On va coller la déco en attendant. Donc moi j'ai pris un joyeux Noël là-dedans de l'année dernière. On va remettre de la colle. Hop. Il ne veut pas se retirer, lui. M'agace. Alors, je remets un peu de colle parce que ça, ça colle quand ça a envie. Ça c'est le Noël, je vais le mettre là. Et ça c'est le joyeux. Hop. Voilà.
Hop. On va y mettre des petits flocons de neige. Je viens de m'apercevoir qu'il manque les petits points de joyeux. De Noël. C'est pas du joyeux, c'est de Noël. Mais c'est vraiment petit, petit. Je suis en train de mettre de la colle partout. Voilà. On va mettre de la colle sur les petits flocons de neige. Tac. Là ici on va mettre un petit bonhomme. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Tiens, j'ai un petit Bambi là. Est-ce qu'il rentre mon Bambi? Ben oui. Il rentre mon Bambi. Voilà. Et puis maintenant, on va coller nos petites... Alors, je les colle à la colle chaude parce que sinon, ça ne colle pas. Et puis, on va mettre une petite perle au milieu et ce sera prêt. Oui, je mets de la colle chaude parce que sinon, ça ne colle pas. Alors, un... trois, non mais juste un petit peu, hein. 1, 2, 3 et 4, voilà, et on va mettre un petit... Est-ce que je mets ça ou pas? Non, ça va pas aller. Ça ne me plaît pas. Ben voilà. Hop. Notre petite carte, elle est presque terminée. On va y rajouter des petites étoiles. Parce qu'on a toujours des petites étoiles qui traînent. Voilà, ma petite carte est terminée et vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Ça vous passe vos chutes de papier. Voilà. Et ben moi, je trouve ça assez sympa. Ça vous utilise aussi des petits stickers que vous ne pouvez pas passer. Voilà. Moi, je trouve ça mignon. Vous faites vos petits paquets cadeaux avec vos chutes. Et puis, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Les cils dingo, les cils dingotes. Et puis, scrapez bien. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.